Installer des toilettes dans un studio de jardin, c'est tout à fait possible, à condition, bien sûr, de respecter les normes de construction en vigueur. Alors, ce projet nécessite quand même une attention particulière dès le début de la conception de votre studio, car il implique des réglementations spécifiques et peut requérir des adaptations significatives à votre studio. Donc, n'hésitez pas dès le départ à bien en discuter avec le constructeur ou en tout cas votre architecte pour vous assurer que votre studio de jardin pourra accueillir ces installations dans le respect des normes, notamment en termes d'efficacité énergétique et oui, et de sécurité. Alors, comment est-ce qu'on procède pour avoir des toilettes dans un studio de jardin? Alors, dès la phase de conception, il faut prévoir l'intégration des toilettes. Encore une fois, c'est très important que ce besoin de WC soit contractualisé verbalement dès le début de votre projet. Parce que les installer a posteriori dans votre studio déjà construit va vous coûter beaucoup plus d'argent, surtout qu'il va y avoir des modifications structurelles, etc., qui vont engendrer tous ces coûts-là. Donc en général, les toilettes nécessitent un raccordement au réseau d'eau et au réseau d'assainissement existant, impliquant la pose de deux conduits, un pour l'alimentation en eau et un pour l'évacuation des eaux usées. Donc cette opération peut nécessiter de creuser des tranchées dans votre jardin, une tâche à la fois coûteuse et chronophage, surtout si votre studio de jardin est éloigné de plusieurs mètres de votre maison principale. Alors bien entendu, il y a des alternatives qui existent à ces toilettes, je dirais, traditionnelles. Si l'installation de WC s'avère complexe pour vous, soit à cause de contraintes de plomberie, soit en raison de réglementation, ou encore à cause de votre budget, les toilettes sèches représentent une excellente alternative. Elles sont moins coûteuses, elles sont plus simples à installer, et elles ne requièrent pas de gros travaux de plomberie. Et bien entendu, elles sont beaucoup plus écologiques que des toilettes traditionnelles. Il y a un autre élément aussi à considérer si vous voulez réellement installer des toilettes dans votre studio de jardin. Pensez également à l'électricité et Internet. Il est judicieux de profiter des travaux de terrassement pour la plomberie pour installer simultanément les câbles nécessaires à ces services d'Internet et de réseau électrique. Ces câbles seront enfouis dans une tranchée et reliés de votre maison à votre studio. Et c'est pour ça qu'il est préférable, encore une fois, de prévoir l'installation de toilettes dès le début de votre projet. Donc pour conclure, ajouter des toilettes à votre studio de jardin améliore son autonomie, sa fonctionnalité et vous évite des allers-retours incessants vers votre maison. Cependant, ça requiert une planification minutieuse et l'approbation des autorités compétentes en matière de construction. Donc, informez-vous bien et discutez-en en amont avec votre architecte pour s'assurer de la conformité de votre projet.